Les manifestations se poursuivent en Iran pour la 4e semaine. Des femmes, des hommes qui se battent pour leur liberté. Là aussi. Je veux dire très simplement mon admiration pour ces femmes, ces jeunes. Parce que c'est des femmes qui ont commencé avec courage à tomber le voile et à aller devant les armes. Mais aujourd'hui, ce sont aussi beaucoup de jeunes et des hommes qui se battent pour les droits des femmes et pour ce que ce combat a d'universel. Et donc, de manière très claire, la France condamne les répressions aujourd'hui menées par le régime iranien. Et nous tenons aux côtés de ces femmes. C'est un peuple souverain qui se bat pour sa liberté. Et vous avez serré la main d'Ebrahim Raïsi à New York. Je lui ai parlé et je lui ai dit la même chose. Cette poignée de main, elle a choqué en Iran. Certains se sont dit, c'est un soutien au régime. Absolument pas. Et la France est là depuis des années pour montrer que nous nous battons pour d'abord défendre nos principes, défendre ces femmes et ces hommes, et défendre aussi, je le rappelle, des Françaises et des Français et des binationaux qui sont aujourd'hui otages en Iran. Et aussi protéger la région, parce que l'Iran a mené beaucoup d'actions de déstabilisation et lutter contre la prolifération nucléaire. Donc nous sommes engagés. Mais là, de la même manière, et ça ne me fait pas plaisir, vous voyez sur la photo, quand je vois le président iranien. Mais qu'est-ce que c'est que la diplomatie? C'est accepter de parler avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne partagent pas vos principes, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ça voudrait dire que c'est la réelle politique qui gagne toujours à la fin? Non, ça veut dire qu'on ne fait pas le destin des peuples à leur place. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, il faut le défendre, le dire, le soutenir. Nous ne pouvons pas nous y substituer. Mais il faut reconnaître que quelque chose se passe depuis quelques semaines, et je veux le dire ici avec beaucoup de force, qui d'abord nous bouleverse tous, parce qu'il porte quelque chose de l'universalité du combat qui fait la France. Et ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes mènent avec beaucoup de courage ce combat. Mais ils portent l'universalisme de nos valeurs. Et là où beaucoup, ces dernières années, ont voulu nous faire croire que le droit des femmes était une valeur régionale qui valait pour l'Europe, ils disent juste « nous le voulons pour nous ». Et que toutes celles et ceux qui, sur notre sol, ont dit le contraire, se souviennent de ce que c'est que vivre sous ces régimes. Donc voilà, nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs aussi qui nous ont faites et qui continuent de nous faire. Monsieur le Président.